Marié depuis 18 ans mais amoureux, complice et amant depuis plus de 45 ans désormais, le roi Charles et la reine Camilla ont gardé tout leur sens de l'humour. Et n'hésitent pas à se moquer l'un de l'autre. Alors que leurs vacances approchent, tous les deux se sont rendus au Sandringham Flower Show il y a quelques jours. Et un gâteau, pour le moins improbable, a beaucoup fait rire la souveraine. Cela fait partie des traditions que Charles III et Camilla ont décidé de respecter à la lettre. Chaque année, le grand festival Sandringham Flower Show accueille des invités de la famille royale. Et cette année, si est-il le souverain en personne qui cesse de déplacer avec sa femme, la reine Camilla, pour passer un bon moment en compagnie des habitants qui vivent dans les alentours. Une étape avant de partir pour l'Écosse, où ils s'installeront pendant près d'un mois ensuite. Mais en attendant de retrouver la tranquillité des Landes, le couple s'est bien amusé à Sandringham. Et notamment grâce à une galette un peu particulière. En effet, le gâteau posé sur une table avait une couronne sur le dessus et avait été quelque peu décoré pour que l'on puisse y distinguer un visage et des oreilles. D'une taille considérable. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Camilla, hilar. Ça ressemble beaucoup à mon mari, a-t-elle d'abord lancé aux journalistes, avant de montrer le gâteau aux deux femmes qui l'accompagnaient. Mais la septuagénaire ne cesse pas d'arrêter là, apercevant, justement, le roi Charles qui passait près d'elle, la reine n'a pas hésité à aller le chercher pour lui montrer à quel point le gâteau lui ressemblait. Plein de second degré, le roi Charles a alors pouffé de rire, avant de montrer que même la référence à ses oreilles décollées, qui n'a pas toujours été faite avec gentillesse au fil du temps, ne le gênait pas. Camilla toujours aussi proche de Charles III. Mais pas de ses enfants, il faut dire que Charles III, amoureux de Camilla depuis leur rencontre à la fin des années 70, serait prêt à tout pour sa femme. Et même à s'éloigner de ses fils. Récemment, il avait prévenu son cadet, le prince Harry, qu'attaquer sa seconde épouse dans ses mémoires serait franchir la ligne rouge dans l'optique de leur réconciliation. Une ligne rouge que son fils n'avait fait qu'effleurer, alors que son entente avec sa belle-mère serait très difficile. Le mari de Meghan Markle avait accusé sa belle-mère d'avoir beaucoup de relations avec la presse. Mais sans jamais l'accuser officiellement de lui avoir nui, lui qui déteste à ce point les médias britanniques. Avec le prince William et sa famille, les relations semblent plus chaleureuses. Assez proche de George, Charlotte et Louis, 10, 8 et 5 ans, qui ne l'appellent cependant pas grand-mère mais Gaga, elle semble plutôt complice avec Kate Middleton. Mais le prince William, tout de même, cesse d'imposer une règle. Pas question de faire la révérence, malgré le protocole, à celle qui a remplacé sa mère, Lady Diana,